On n'attaque pas sur les cheveux, c'est comme les mamans. C'est défendu les cheveux. Vit-il avec ses parents? Non, je suis pas né aux Ewan. Eh, c'est limite ça, hein. Ça fait presque un peu raciste, Akinator, attention, hein. Ah, j'adorerais les potes, mais non. Yo les potes, yo la famille, c'est Naroy. Aujourd'hui, vidéo génialissime. Eh ben oui, forcément, puisqu'il s'agit d'un génie. Je parle bien entendu du génie du web, Akinator. Alors Akinator, c'est un génie, les potes, qui connaît tout surtout, mais qui connaît aussi forcément les personnalités. Et aujourd'hui, on va voir si oui ou non, avec une chaîne à 18 000 abonnés, on est potentiellement ou non une possibilité. En gros, est-ce que Akinator nous connaît, oui ou non? Alors, comment marche Akinator? Je vous propose tout de suite de faire une partie avec mon petit Mario et essayer forcément de faire deviner Mario à Akinator. Parce que Mario, forcément, il est hyper connu, donc Akinator va forcément le connaître. Alors que Naroy, bah, c'est moins sûr. Ok, donc on sélectionne un personnage. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de faire trouver Mario. Est-il de sexe féminin? Non. Avec les réponses qu'on donne à ces questions, il va éliminer des gens pour au final arriver à trouver normalement la personne à laquelle on pense. Donc faut pas mytho, hein? Hashtag mytho mytho. Ton personnage est-il réel? Non, c'est pas un personnage réel. Est-il les cheveux noirs? Ouais, on va dire que c'est noir, il a les cheveux marrons. Est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Dis donc, il est plutôt bon là. Fait-il partie du manga Naruto? Non. Est-il le héros principal? Ouais, c'est toi le héros principal, mon petit Ryo. Ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête? Bah ouais, elle a une casquette. Ton personnage porte-t-il souvent des casquettes dans ses vidéos? Oh là là, les potes, 8e question. Il a l'air d'avoir déjà calé Mario. Oui. Ton personnage pratique-t-il toujours son métier? Il est plombier, Mario, les potes. Allez, on va mettre que oui. Ton personnage est-il amoureux du personnage principal? Non. Ton personnage est-il moustachu? Ouais. Ouais, ouais, il est moustachu. La moustache. Ouais, attention, il va trouver. Ton personnage porte-t-il une combinaison rouge? Ouais, ça c'est rouge, hein, sous la salopette marron. Oui. Ton personnage travaille-t-il dans un collège ou un lycée? Non. Mario, bravo. Bravo, bravo. Et là, on lui met oui, les potes. Magnifique. Donc voilà ce qu'est Akinator. En 13 questions à peu près, il a trouvé Mario. Donc Mario, c'est assez facile, mais c'est quand même assez impressionnant. Moi, je trouve ce génie. Mario, c'est assez facile puisque c'est un personnage très connu. Maintenant, les potes, ça va être une sorte de FAQ. Est-ce qu'il connaît Naroy, oui ou non? Bien entendu, comme Mario vous le montre, abonne-toi à Naroy. Et maintenant, on va voir si Akinator nous connaît. Le but du jeu, c'est juste de se payer un kiff parce que mon pote AdriGeek, lui, il a 1 200 000 abonnés. Et moi, je m'en rappelle, je regardais ses vidéos et je le trouvais sur Akinator. Et je me suis dit, oh, imagine un jour, les potes, j'arrive à être assez connu modestement pour que Akinator me connaisse, moi Naroy. Et j'ai toujours rêvé de ça et je pense qu'il est grand temps, les potes, de voir si oui ou non Akinator nous connaît. Ça va être plutôt marrant. Donc voilà, je vais mettre à la place d'un viewer, je vais pas mettre à la place de moi-même sinon il va jamais me trouver, mais je vais mettre à la place d'un viewer qui essaye de rechercher un youtubeur. Ton personnage porte-t-il une moustache? A-t-il déjà porté la moustache? Non. A-t-il des cheveux? Ouais, pour l'instant ça va. Eh, j'en aurais pas. Eh, c'est pas marrant, hein, ça, les potes, hein. On n'attaque pas sur les cheveux, c'est comme les mamans. C'est défendu, les cheveux. Et pour l'instant j'en ai. Est-il une femme? Non. A-t-il une épée? Bah non. Est-il ici d'un jeu vidéo? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Bah ouais, ça, je suis un youtubeur. Est-il un youtubeur? Ah bah tiens. Les grands esprits se rencontrent. Oui. Possède-t-il un chien? Non, je suis pas Squeezie. Vit-il avec ses parents? Non, je suis pas Neo The One. Ton personnage est-il lié à l'univers de Fortnite? Ah, j'en ai fait un peu du Fortnite quand même. On va mettre oui. Ton personnage ressemble-t-il à un chinois? Eh, c'est limite ça, hein. Ça fait presque un peu raciste, Akinator. Attention, hein. A-t-il chanté Waka Waka? Le gars, il est passé d'un personnage chinois à un youtubeur à maintenant Waka Waka, les potes, c'est Shakira. N'importe quoi. Non. Possède-t-il une épée bleue? Mais gros, je viens de te dire, j'avais pas d'épée, qu'est-ce que tu me fais? Non. Fait-il des vidéos avec Nintendo? Non. Fait-il partie de la team Crouton? Non, allez, on enlève Michou, Inox, Valouz, etc. Le Bouzeux. Vit-il au Gabon? Non. Est-il arabe? Non. Fait-il des vidéos sur Roblox? Ah, on me le demande souvent, mais malheureusement pour vous, non. Travaille-t-il à TF1? Ouais, grave. Ouais, grave. Ah, j'adorerais les potes, mais non. Est-il et porte-t-il des lunettes? Non. Chante-t-il avec Julien Doré? What? Mais qu'est-ce qu'il est parti sur les chanteurs, lui? Non. Est-il un mâle? Oui, je suis un mâle. Participe à des compétitions internationales? Non. Passe-t-il son temps à draguer? Oh, comment il le sait? Non, je rigole. Non. Sait-il se servir d'un téléphone? Ouais, quand même. Fais voir. Vérification. Ouais, c'est bon.
C'est bon, c'est bon. Kenny. Ah, c'est pour ça qu'il demandait si je savais me servir d'un téléphone. Non. On continue. Ouais, il m'a pris pour Kenny, les potes. Ton personnage a-t-il plus d'un million d'abonnés? Non. Ton personnage te connaît-il personnellement? Non. On se met à la place de quelqu'un qui recherche. Hein. Pas de moi. Apparaît-il dans les 4 fantastiques? Non. Est-il gros? Non, pas spécialement. A-t-il déjà combattu des extraterrestres? Tous les jours, les potes. Je me lève au petit-déj, je mange des Kellogg's et après, hop, 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 2-3 hypercutes. Eh, c'est grâce à moi si la Terre, elle a pas été envahie. Hein. Allez, non. Est-il célèbre dans une comédie musicale? Non. Ton personnage joue-t-il au poste de pivot? Allez, on est parti sur du handball, les potes. Non. Pourtant, j'en ai fait. Portait-il plus souvent une casquette? Non. Fait-il des vidéos sur GTA? Non. Joue-t-il principalement sur PC? Non, on va mettre que non, parce que principalement, je jouais sur téléphone à Brawl Stars. A-t-il un frère jumeau? Non. A-t-il déjà joué à Paris? Non. Fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Oui. A-t-il plus de 18 ans? Oui. A-t-il un bandeau? Un bandeau? Ah, un bandeau. Comme ça, là. Comme dans Koh-Lanta. Non. Est-il actuellement en couple? Ouais. Aime-t-il le miel? Ah, mais je suis pas Winnie l'ourson. Ah, il pense à Winnie l'ourson. Est-il une fille? Tout à l'heure, il m'a quand même demandé si j'étais un mâle, et maintenant, il me demande si je suis une fille. Hein. Habite-t-il en France? Oui. A-t-il des enfants? Non. A-t-il un frère? Bah ouais, vous l'avez vu dans les vidéos. Le nom de ton personnage comporte-t-il un chiffre? Non. Ton personnage est-il noir de peau? Non. Après les Chinois, les potes et les Arabes? Non, on n'est pas noir de peau. Ton personnage a-t-il joué à Rouen, en Normandie, au rugby? Non. Fait-il des vidéos Brawl Stars? Ah, là il pourrait chauffer. Oui. Naroy. Oh, beau gosse. Ah, je m'y attendais pas du tout, les potes. GG. Je pense à Naroy, youtubeur. Oui. Yes, I. Incroyable, les potes. Je suis hyper surpris. Akinator nous connaît, les potes. Et là, franchement, alors c'est un petit jeu, c'est rigolo, mais franchement, c'est un peu une consécration. Ça prouve que la chaîne, elle monte. Mon slogan, c'est que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes. Et franchement, le fait que Akinator nous connaisse, et je vais pas vous mytho, ça fait énormément plaisir. Voilà les potes, c'était Naroy. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. J'en ferai beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir en ce moment, donc voilà, profitez-en. N'hésitez pas à aller les regarder. Forcément, on la regarde en entière. Tous ceux qui ont regardé la vidéo en entière, marquez dans les commentaires Akinator connaît Naroy. Et ça, les potes, c'est grâce à vous, parce que c'est forcément vous qui avez suggéré à Akinator le Bibi, le moi, le Naroy. Donc voilà, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre le petit pouce bleu des familles. Blah qui fait plaisir. Et en attendant, les potes, n'oubliez pas que je vous kiffe, la petite famille. Go les 20 000 abonnés, c'était... Et les potes, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec l'écran de fin de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle mon slogan, puisque je vous l'ai déjà dit, qui est que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.